Le lever du soleil ne m'avait jamais paru si beau. J'avais quelques heures devant moi pour me rendre à la mine. La mine de charbon n'était plus loin. Aujourd'hui, j'irai voir le ravisseur et il me rendrait Alice. Je ne lui laisserai pas d'autre choix. J'étais prêt à tout pour la sauver. Petit à petit, sans m'en apercevoir, je m'étais mis à croire que l'histoire du manuscrit devenait réalité. Le courant de ce récit m'entraînait de plus en plus profondément dans les eaux noires. On m'avait enlevé Alice. Barry était sûrement en prison. J'étais un fugitif pour la FBI. Le monde entier, submergé par l'ombre noire, essayait de me détruire. Tout semblait réel. Mais pourtant, tout paraissait relever d'un délire. Même en plein jour, j'étais poursuivi. Le pont avait dû s'écrouler seulement quelques secondes après que je l'ai traversé. Ici Pat Maine et vous écoutez KBF FM. Les amis, je tiens à m'excuser de vous avoir laissé avec de la musique en boucle la nuit dernière. Mais j'étais retenu. Voyez, je suis tombé sur un cow-boy du FBI à la gâchette facile qui mériterait une leçon de politesse et un bon coup de pied au cul. Pas forcément dans cet ordre d'ailleurs. Je sais, les amis, que ce que je dis ne vous éclaire pas beaucoup et j'en suis navré. Je ferais mieux de garder ça pour moi. Mais ça me met en... Thank you.
J'étais en avance. J'avais rendez-vous avec le ravisseur à midi dans le bâtiment principal. La mine était déserte. C'était un musée maintenant. Je ne voulais pas sortir. Les flics devaient me chercher. Le soleil de midi faisait de l'endroit un vrai sauna. La journée s'éternisa. Divers scénarios me traversaient l'esprit. La façon dont j'allais torturer le ravisseur pour récupérer Alice et les choses horribles qu'il avait pu lui infliger. Je l'imaginais morte. Je n'avais aucun moyen de savoir si elle était en vie. J'en étais malade. C'était l'espoir qui me faisait avancer. Ce ne fut qu'une perte de temps. Le fumier ne vint pas au rendez-vous. Wake. Où est-ce que vous êtes? Changement de programme. Vous savez où est Mirror Peak? C'est la grande montagne au nord d'où vous êtes. Suivez le chemin partant de la mine. Vous pourrez pas la rater. Vous attendrez au poste d'observation. J'en ai assez de me faire trimballer comme ça. Vous voulez revoir votre femme vivante? Dans ce cas, vous avez intérêt à changer de ton avec moi. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Je veux parler à Alice. Ouais, et moi je veux le manuscrit. Me faites pas attendre, Wake. Allô? Allô? Ah! Je vais le tuer! Je devais me rendre à Mirror Peak.
Le seul moyen d'atteindre le versant était de traverser le bâtiment. J'allais devoir éviter de me faire électrocuter.
Les grenades incapacitantes ne pouvaient appartenir à une compagnie d'électricité.
Je n'avais pas de véritable plan. J'allais donner au ravisseur toutes les pages du manuscrit que j'avais pour Alice. Si ça ne suffisait pas, je le menacerais d'un flingue et je le ferais parler. Je n'avais pas de véritable plan. J'allais donner au ravisseur toutes les pages du manuscrit que j'avais pour Alice. Si ça ne suffisait pas, je le menacerais d'un flingue et je le ferais parler. Thank you.
L'ombre noire me précédait, avançant dans la même direction que moi. Une sensation glaciale me nouait l'estomac. L'ombre pourchassait-elle Alice. Le travail de lui provoquait le cancer. L'endroit était désert. Une ville fantôme depuis des dizaines d'années, voire une centaine.
futur, tout m'est pénible. Je me sens mal. J'ai réussi à me traîner jusqu'au rez-de-chaussée. Il y a en bas une boîte à chaussures remplie d'écrits de Thomas Zen. J'ai du mal à me concentrer, mais j'ai réussi à lire quelques passages. C'est un poète très talentueux. Il parle de muses et de créateurs, faisant jaillir des choses fabuleuses d'un lac magique, utilisant son pouvoir pour modeler le monde. Il parle d'un royaume de dieux, de rêves, de démons et de choses noires qui cherchent à s'enfuir et se déguisent en adoptant une apparence humaine. Zen écrit à propos de lui, de sa fiancée possédée par une ombre noire, de sa peur grandissante du lac. Zen pense qu'il s'agit du reflet du chaos qui nous domine et au rôle d'une créature lovecraftienne. Je suis retourné à l'étage. Je vais intégrer ces éléments à mon histoire. Ils sonnent vrais. Ils correspondent.